Cette semaine au show de moto, on a mis la main sur cette toute nouvelle Suzuki GSX 8S 2023. C'est tout nouveau dans l'arsenal Suzuki. Cette GSX 8S fait suite au V-Strom 800 DE 2023 en tant que deuxième modèle à utiliser la toute nouvelle plateforme 800. Les deux modèles partagent ce moteur parallèle twin de 776 cc et le châssis principal en acier, dans lequel le twin se boulonne en tant qu'élément sollicité. Elle offre 82 chevaux à 8500 tours, avec un couple quand même de 57,5 livres-pieds à 6800 tours-minute. Mais le côté le plus intéressant de ce modèle, c'est son moteur 800, dont on a ajusté la cartographie par rapport au même moteur qui est sur le V-Strom 800. Et ici, ça tire pas mal plus à bas et moyen régime, donc ça fait une belle machine à wheeler pour ceux qui maîtrisent l'art du wheeler. Mais c'est surtout une petite machine plaisante à conduire qui a une belle bande de puissance à bas et moyen régime, celle qu'on utilise le plus quand on fait des balades en campagne. On a des belles accélérations aussi. Franchement, là, ça tire bien. C'est quand même une 800, faut pas l'oublier. Vraiment, vraiment plaisante. Comme c'est le cas sur la Strom 800, cette 8S utilise une boîte à air horizontale de 6 litres qui est située sous le siège et qui expire dans ce que Suzuki dit être son premier silencieux court et qui maintient le poids central et bas. Le système de refroidissement utilise une soupape de commande thermostatique qui, nous dit-on, aide à des temps de préchauffage plus rapides et à des températures de combustion plus stables, ce qui, incidemment, réduit les émissions de l'échappement. Un système d'équilibreur est également utilisé pour étouffer les vibrations indésirables et fait quand même un bon travail jusqu'au point où on va tordre l'accélérateur. Une fourche KYB non réglable et un amortisseur réglable en précharge seulement, avec un outil, offrent tous les deux 5,1 pouces de débattement. Le siège est à 31,9 pouces du sol. La position est plutôt bonne sur cette GSX 8S. Elle a l'air très sportive, mais non, en fait, la position est quand même assez standard. Là, on est un peu penché sur l'avant, c'est tout. Les roues moulées de 17 pouces sont parfaites pour cette petite sportive et sont chaussées de pneus Dunlop Road Sport 2. L'angle de chasse de la fourche de 25 degrés combiné à son empattement de 57,7 pouces et une bonne géométrie de châssis permet une conduite stable et bien gérable. Le poids à vide est quand même de 445 livres, tout plein fait. Cette petite mais puissante sportive est quand même équipée du SIRS, le Suzuki Intelligent Ride System. Ceci comprend le sélecteur de mode de conduite Suzuki qui offre au pilote trois options de réponse de l'accélérateur. On a le système de contrôle de traction Suzuki qui offre également trois niveaux d'intervention, incluant l'arrêt, et le système bidirectionnel Quick Shift qui fait exactement ce que son nom implique. Ces systèmes peuvent être ajustés à la volée, mais l'ABS a un réglage standard unique qui ne peut être modifié et aucune de ses composantes électroniques n'est basée sur une unité de mesure d'inertie, IMU, qu'on retrouve sur des modèles un peu plus dispendieux. Comme vous voyez, la selle est plutôt basse et la moto est assez courte. Donc, ça fait une moto qui est très maniable. C'est idéal pour les déplacements urbains, pour les balades en campagne, pour faire des belles enfilées de courbes. C'est une moto qui est agile et qui est plaisante à conduire. Le prix est pas mal, là, autour de 11 000 $. C'est pas trop dispendieux. Et là, je vois, avec les trous, c'est un petit peu sec, mais quand même, il y en a qui sont habitués à ça, qui aiment avoir de la performance et côté suspension, ça les dérange pas. On peut raffermir à l'arrière, mais c'est quand même limité. Et en avant, il n'y a pas d'ajustement. Donc, il faut s'ajuster. Ce n'est pas une moto de touring. Par contre, la selle est pas mal confortable. Ça aide un peu. À 445 livres, c'est pas la plus légère, mais sa puissance, son agilité, son agrément de conduite masquent très bien ce poids. Il y a en masse de puissance, on sent pas du tout le poids. Ouais, c'est un bon compromis entre sportivité et confort et polyvalence aussi, parce qu'on a une belle performance du moteur, on a une belle finition aussi.
Puis c'est une moto qui va être à l'aise à peu près sur toutes les routes, sur tous les terrains là, de jeu pour la moto. Ouais, franchement, elle va prendre sa place sur le marché, j'en suis convaincu. Donc, cette GSX 8S, c'est pour qui? C'est pour les gens qui veulent avoir une belle petite sportive, pas trop puissante, pas trop intimidante, mais c'est surtout une moto qui est plaisante à conduire. Elle est courte, elle est amusante. C'est presque un petit BMX avec un bon petit moteur qui est souple. Il tire bien à bas et à moyen régime. C'est ce qu'on veut sur une petite moto comme ça. Donc, franchement, c'est une belle nouveauté sur le marché et elle s'appelle la Suzuki GSX 8S.